Yo les gens, c'est Lord Fab, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur le jeu Final Fantasy Brave Exvius. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va aller chercher un personnage que j'attends vraiment, vraiment, vraiment. Et on va faire du pool lourd. Il y a du lourd, notamment le ticket 10 plus 1. C'est même pas un ticket, c'est un truc de malade, c'est le gros 10 plus 1. Vous savez, Zyrus, pour moi, c'est la folie furieuse. Je le veux absolument, donc on va aller le chercher. Avant de démarrer, on va vérifier ce qu'on a en unité, en truc gratuit pour faire ces petits pools. Et c'est parti. Allez, on va essayer de voir si on a un peu de chance. Vous le savez, normalement aussi, dans les tickets EX, on pouvait l'avoir, mais sauf qu'aujourd'hui, on va pas se faire des tickets EX, puisqu'on veut absolument... que la vidéo dure pas 30 ans, parce que là, j'ai encore 150 tickets EX, la folie quoi. Ok, alors, oh bah tiens, c'est bon signe, on a le Aiden, mais c'est pas le bon. C'est pas celui-là qu'on veut, bon, c'est pas grave, ok. Ensuite là, est-ce qu'on a des tickets? Non, on n'a rien du tout de spécial, ça tombe bien, voilà, ok. Derrière, un 10 plus 1, on n'a pas un 10 plus 1 normal. Dans ceux-là, je peux l'avoir, il faut le savoir, ils sont présents. Ils sont clairement présents. Donc, alors après, les chances de les avoir, c'est juste n'importe quoi. Allez, comme à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est que pour chaque personnage, je vais vous donner mon avis aussi. Allez, un petit arc-en-ciel, s'il te plaît. Oh ! Ah non, alors là, ça serait mais tellement abusé. Bah, c'est pas grave, sinon. Il y a d'autres persos que je veux, des squales. Celui-là, pas du tout. C'est pas grave. Allez, collier de Kiana. De Kiana, pas mal. Psy plus 45, c'est bien pour une TM 4 étoiles. Ok, on s'en fout. Là, effectivement, oui, Jidan, deux armes. Hein, voilà, c'était plutôt intéressant à l'époque. Voilà, Aiden, non plus. Maintenant, c'est vrai que voilà, il n'y a plus beaucoup. Ok, il y a lui, hein, clairement, qui est intéressant, qui est un bon finisher. Mais bon, malheureusement, voilà, c'est pas... Bon, on a eu un 5 étoiles, on va quand même pas se plaindre. Dans les invocations Exvius ici, on a quelque chose. On a un ticket 4 étoiles. On va le faire quand même. On ne sait jamais. Hein, des fois, qui se transforme en arc-en-ciel et tout, machin. Non, après, vous inquiétez pas. On va aller sur du lourd. On va aller sur du très très lourd. Glocka a une épée longue sympa. Attaque 125 et élément ténèbres. C'est plutôt pas mal. Alors. C'est parti les amis, on va commencer les invocations qui sont intéressantes. Déjà, on va se péter l'invocation du moment parce qu'effectivement, vu que c'est les features de... Voilà. Alors, si j'ai beaucoup de Zyrus, la question qui se pose, mais bon, là, enfin, voilà, on n'en aura pas beaucoup de Zyrus. Hein. Je ne sais pas, vraiment je ne sais pas parce que... voilà, bon, c'est pour mascotte du labo. Ouais, ça peut être intéressant dans certains cas pour annihiler... non. Faut pas cracher dans la soupe, ça peut être intéressant. Allez, on démarre les amis, tac, on fait les petites invocations, on y va. On va péter les tickets en premier parce que c'est important, on essaye de voir. Voilà. Effectivement, si on a directement un Zyrus ici, honnêtement, je vais caler la balière, mais ok, Joachim, on s'en fout. Voilà, rien de spécial. Allez, c'est parti. N'inquiétez pas. À la fin de la vidéo, je vous fais le 10 plus 1 avec l'ensemble. Oh, Dietling, génial. Alors, maîtrise des pistolets, 50% quand vous avez une arme à feu, mais surtout ça. Quand elle est montée au maximum, regardez bien. Ah merde, là on le voit pas, mais c'est un 84% de break défense, Dietling. Elle est énorme. C'est un personnage de ouf. Donc Gatling très très bien. Donc je disais, je vous ferai le 10 plus 1 à la fin de la vidéo en mode full arc-en-ciel. Oh, il va pleuvoir d'arc-en-ciel. Maisie. Ah, bah écoutez, savoir. Non, bof. C'est pas formidable. Allez. On veut de l'arc-en-ciel. Donne-moi un peu d'arc-en-ciel. Honnêtement, j'ai pas envie de claquer trop de la pisse. Gatling encore, très bon, je vous l'ai dit. Je vais essayer de voir. Franchement, en ce moment, je ne veux plus mettre de thunes dans le jeu. Je veux vraiment faire en sorte d'utiliser correctement mes lapis. Tac. Loti, très bonne robe, vraiment. 30 de magie et 20 de magie en pourcentage. C'est bien. C'est franchement pas mal. Allez, on y va. Tac. Pour l'instant, on parle arc-en-ciel, mais vous le savez, sur les tickets, c'est quand même assez difficile. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Neisha ici a vision prophétique. Ouais, ok, bon, résistance ou altération d'état.
Bon, je dirais que ça sert pas trop parce que maintenant vous avez pas mal quand même de, en général, de skills, d'aptitudes qui vous permettent d'enlever toutes les altérations d'état, notamment le discernement et tout. Shinju, bon ok, bon non, je suis pas fan de ça non plus. Allez, on veut de la cassette. Donne-moi un petit Zyrus là direct, pas un petit Zyrus, un petit Aiden. C'est Aiden que je veux, pas Zyrus. Mais quel con. Puis tout à l'heure je fais plus ce que je vous dis. Bref. C'est Aiden, le gros healer qu'il me faut, clairement. Oui. Oh, ça fait du bien, ça fait plaisir, oui. Là, j'ai 25% de chance d'avoir l'unité que je veux. Une chance sur 4, c'est pas beaucoup, c'est la merde, putain. Alors, si j'ai Zyrus, c'est pas grave, je suis content aussi, mais je peux avoir du hors bannière, donc ça fait chier si j'ai du hors bannière, au moins dans la bannière, voilà. Attention, je clique à gauche, parce qu'à gauche, quand je clique à gauche, j'ai la chance. Aiden. Hey, Charlotte, putain. C'est un tank magique exceptionnel, Charlotte, je l'adore, mais j'en ai, mais je sais pas combien de copies. Fait chier, putain. C'est pour ça, les amis, que faites attention à cette bannière Black Friday. Parce qu'effectivement, même s'il y a des promos et tout, voilà. Le problème, c'est que, sincèrement, ça va être hyper difficile de pécho. De pécho le personnage dans cette étoile. Pour avoir deux copies. Moi, honnêtement, dès que je chope un Aiden, je lui ai haussé son prisme. Et on n'en parle plus. Parce que, franchement, sinon, ça va coûter trop cher. Vraiment. J'ai pas envie de claquer énormément, ça me ferait chier. Voilà, je ne veux pas. Ah, ok. Chatal, bon bouclier, Chatal. Chatal. 76 de psy. Bon, Chatal. Qu'est-ce que c'est nul comme nom, Chatal. Mais bon, bref. Bon, on a eu un arc-en-ciel quand même. Hein. Bon, ce qui fait 12 dans la vidéo, au moins. Et oui, parce que forcément. Travailleur numéro 8. Bah, t'es gentil, mon garçon, mais bon, pas faire grand-chose de toi. Hein. Oh, Charlotte, elle me restait entre les... Shit. Allez, c'est parti. Là, c'est cool quand on fait des poules et qu'il y a l'envie derrière d'avoir quelque chose qu'on aimerait bien. Encore 28 tickets. On va tout claquer, les amis. On va tout claquer, ça c'est sûr. Un Crowa, oui, bien. Magie plus 30 et permet d'équiper les sceptres. C'est pas mal du tout. C'est une bonne TM, surtout pour un 3 étoiles. Honnêtement, c'est pas mal du tout. Ça fait plaisir. Ok, allez, c'est parti. Ishil, on s'en fout. Allez, 26 tickets. Calme-moi un petit arc-en-ciel, s'il te plaît. Un petit arc-en-ciel. Oui. Oh là 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 là. Allez. Je suis quelqu'un de persévérant. Je reclique à gauche. Parce que c'est comme ça. C'est le juju. C'est le mojo. Attention, je clique à gauche. Paf. Donne-moi un fucking bannière, s'il te plaît. S'il te plaît. Oui. Alors là, putain, la moule shot. Sérieusement? La moule? Parce que là, on a tapé du xon. Et je poule pas sur la bonne bannière. T'es en train de me dire que je poule pas sur la bonne bannière. Je ne poulais pas sur la bonne bannière. Aïe. Ouais, c'est pas cool. Alors, on a eu Xon. C'est très bien parce que comme ça me fait un Xon en 7 étoiles. Ok, super. Et j'étais pas sur la bonne bannière, les amis. Alors là, mais quel con. Putain. Bon, alors, c'est pas grave. C'est pas très... On va pas mourir. C'est pas la fin du monde. Mais pourquoi j'ai fait ça, quoi? Non, mais sérieux. Non, mais débile, le mec, débile. Bon, après, j'ai un Xon 7 étoiles et on sait que pour certains trials, il va être sympa pour le tester et tout. Honnêtement, voilà, c'est plutôt cool. Je le voulais de toute façon. Donc voilà, c'est plutôt cool. Je l'ai quasiment gratos. On va pas se prendre la tête. Maintenant, j'aurais pu avoir un Aiden à la place. Voilà, puisque j'étais dans la bannière sur ce coup-là. Donc là, Mirface, super bien. Pain précieux. Accessoire psy plus 40%. Très, très, très bon, les amis. Très bon. Je sais pas si vous vous rappelez du... Comment il s'appelle? Zis. Il y a un gars qui s'appelait Zis qui était génial, trop sympa et tout. Et qui faisait des vidéos de poules. Mais c'était vraiment... Mais oh là là, énorme. Ryuka, t'es bien. Sabre, 125, foudre.
Mais c'est pas un sabre, c'est une épée longue, pardon. Mais non, pas, t'as dit sabre, c'est une épée longue. Putain, t'es nul, tu te trompes. Ah, 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 un jaune. Un jaune. Bon, ce qui nous fait déjà 11, 12, 13 arc-en-ciel dans la vidéo. Kiana, on l'a vu déjà. On s'en fout. Allez. Allez, les amis, allez, allez, allez. Allez, les amis. Shepard, talent de successeur. Bien. J'aime bien ce skill. PV plus 15 et des résistances élémentaires 30%. C'est toujours très utile. Je sens qu'on va avoir un autre arc-en-ciel. Je le sens bien. Et je sens que Aiden va arriver. Je le sens, je le sais. C'est quelque chose. Ah, ah, le troll. Ah, le jeu m'a troll. Putain. Ah, bordel de merde. C'est pas lui. Ah, putain. Ah, putain, le trolling. Il est là. Mais oui, mais il est là, Aiden. Il est là et je le demande. Alors, je veux le nouveau Aiden. Hein. Je précise, le nouveau Aiden, s'il te plaît. Frangin, rien à foutre. Le nouveau Eden, s'il te plaît. Allez, le nouveau Eden. S'il te plaît. Wow. Allez. On a un petit... Ça va être compliqué, là. Si on se transforme, on est trop top. Oui. Ah, Xon. Mais non. Mais... Oh, mais c'est du troll, ce jeu. C'est du troll. C'est pas... Donne-moi un Xon, mais pas celui-là, si tu veux. Ouais, je veux bien la STMR de Xon, mais là, non. Non. Oh, shit. Bullshit, man. Allez, c'est parti, on continue. Ah là, aujourd'hui, j'ai la hype. Je sais pas si vous le sentez dans ma voix, mais là, j'ai la hype. Là, je sais que, voilà, je sais que j'ai envie. Je veux. Hop. Et vous avez vu, je ne laisse pas tomber le cristal parce que franchement, on s'en fout. Là, il faut absolument que Unai. Oh là là, c'est dégueulasse. Oh là là, c'est moche. Et je pouvais pas sur la bonne bannière. Oh là là, la lose ultime, quoi. Oh. Putain, j'ai la crème hydratante sur les mains, Tessen, ok. Allez, crème hydratante sur les mains, vous en foutez, mais je vous le dis, pour poule, c'est pas simple, parce que du coup, quand je clique, des fois, ça marche pas. C'est le bout de mon doigt, parce que ce matin, j'ai... Aiden encore, non, sérieux, sérieusement, arrête de me troll, non, on a dit non, stop trolling, man. Le troll, c'est bien, mais frangin, ouais, putain, entre frangin et machin. Allez. Bon, je suis content. Xon, cette étoile, je suis quand même content. Je veux dire, après, on peut dire ce qu'on veut. C'est quand même un bon perso. Après, j'ai aussi une chance de... Ah, putain, je veux savoir. Je vais quand même faire mon tirage 11 juste après les tirages de la bannière. Parce qu'effectivement, dans le tirage 11, il est possible que je chope un Eden. Alors, j'ai un doute. Non, je crois pas. Je crois pas que c'est possible que je chope un Eden. Je crois pas. Lucas, tenue d'été, super bon, chapeau chic de l'été, 40 de psy, mais surtout 50% de résistance alimentaire au feu. Là, les amis, on est au top niveau, on est au top du top du top. Ouais, bah du coup, on va se faire le 10 plus 1 juste après les tickets, là. Le 10 plus 1, là, méga, méga good. Méga good, voilà. Forel Skate, oh, je n'ai pas dit, mais Forel Skate, c'est un super perso, c'est clair. Et sa TMR est super bien aussi. Falma, bonne TMR ici. 50% d'attaque supplémentaire sur les jumps et attaque plus 30. C'est un accessoire qui, m'en faut, peut être intéressant. Deux arc-en-ciel quand même sur le peu de tickets que j'ai fait. C'est déjà de la chatte, hein. Honnêtement, c'est déjà pas mal. Hein. Forel Skate, ben voilà, on va en parler du coup. Là, l'épée, 91 de psy, c'est très bien. Mais surtout, il est capable de se cacher, il est capable d'imbu, il est capable de debuff, il est capable de chain. Bref, bon, maintenant, on a Xon. Donc, c'est mieux quand même de chercher le Xon. Bon, voilà. Allez, Falma, on en a parlé. Ok. Les amis. Ouh là 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 là. Ouh là là. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Crow War, on en a parlé. Ok. Bon, alors, s'il te plaît, donne-moi quelque chose. Ah, deux arc-en-ciel et je me tape un Xon. Putain, mais quel con! Ah, Galas, tu ne sers à rien. Ah, Galas, tu ne sers à rien du tout. Hop, un petit jaune. Oh, un petit jaune. C'est pas un pastis, c'est un jaune. Yes, c'est, ouais, bonne. TMR 104 et auto-recharge, 5% de MP. Ça, 101 de psy, pardon, sur une armure lourde, c'est bien.
c'est bien. Dans certaines situations, ça va servir. Oui, messieurs. Oui, mesdames. Oui, totalement. Je l'assume. Ça sert. Tessène, ça sert à rien. Voilà. Hop, allez, on finit les tickets sur un arc-en-ciel. C'est obligé. Je veux dire, là, on n'a pas le choix. Ah, d'accord. Bon, tant pis. Alors, bon, je sens que ça va être chaud. Alors, hop, c'est parti. Bon, pas de problème. On a encore pas mal de choses à faire. Mais par contre, on a l'invocation 11 arc-en-ciel. Wouah ! Oh là là, les amis ! Alors déjà, on va screen cette invocation parce que c'est beau, parce qu'elle est belle. Voilà, on va la screen. Hop. Voilà. On a screen cette invocation. Et là, on va balancer 10 000. Je sais que je devrais pas, mais ça fait du bien et ça fait plaisir. Voilà, je sais que vous en avez envie, vous aussi, et qu'on en a envie, tous ensemble. Voilà. Et quand on en a tous envie, vous savez ce qui se passe. Hein. Voilà. Si on en a envie, bah, c'est bon, quoi. Attention, je vais caler le screenshot. Hop, 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 hop. Alors, hop. Oui, oui. Alors, il y en a une très, 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 très bien. Alors. Ignis, très bien. Malfasi, très bien. Rinoa, génial. Et Scarlett, alors, on va regarder rapidement. Trop bien. J'ai sa STMR, c'est génial. Génial. Frivia, pas besoin. Ignis, c'est cool. Je l'ai en 7 étoiles maintenant. Lui, je l'ai maintenant. Lui, je vais pouvoir aller choper sa STMR. Lui, on s'en fout. Elle, j'en ai déjà 50 000. Elle, j'en ai 50 000 aussi. Elle, ça me l'a fait en 7 étoiles. C'est cool. Malfa, c'est toujours bon à prendre parce que sa STMR est top. Et Léon, bah écoutez, c'est pas mal. Bon, c'est pas le tirage de folie, mais... Ah, non, je peux plus en faire. Tant pis. Bon, allez. Maintenant, les amis, on va aller chercher du tirage. Et là, c'est là que ça va faire mal. Je vous ai dit, attention. Attention, parce que ce genre de tirage à invocation palier, c'est vraiment la lose ultime. C'est parti. Là, pour avoir un Aiden, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Vraiment. Allez, c'est parti. On sait qu'on a un arc-en-ciel à la fin, mais il en faudrait un deuxième au milieu, en fait. Si on n'en a pas au milieu, c'est moins bon. Voilà. Bon, là, vous voyez, par exemple... Voilà, hop, vous avez vu, hop, on n'aura pas. Donc là, c'est du... Voilà, c'est pas top. Alors, oh, ok, on a un petit, comment il s'appelle, machin là. Aiden, il va faire mal. Ouh, je sens qu'il va faire mal. Je sens qu'il va me titiller les oreilles. Et je peux vous dire que ça va casser. Ah, oui. Oui, alors là, il y a un arc-en-ciel. Oh non, pas Jake, ah, fuck you. Oh, un arc-en-ciel encore. Encore Jake, non. Malfasi, quoi, double Jake. Non mais sérieux, allô. Au secours les amis. Oh putain de ça. Oh, yeah. Bon, ok, 20% de chance d'obtenir, là ça va pas, 20% de chance, je vais pas y aller. Hein. Ok, bon, allez, c'est parti, on continue. Oh putain. Ah bon, la Malfa, pas mal quand même. Mais bon, double Jack, sérieusement, quoi. Putain, encore deux arcs-en-ciel. Oui, 8000 Sylvie. Elena, c'est ma deuxième, donc je l'ai en 7 étoiles. Très bien, mais je l'utilise pas. Donc, c'est pas forcément cool. Allez, c'est parti. On continue à 5000, voilà. J'en veux pas 50, j'en veux un. Donne-moi-en un seul. Pas plus, un seul. S'il te plaît, je veux un seul. Ah, allez. Oh, Olive. Oh non, le troll. Oh, le troll. Ah, ça fait mal. Shadow Assassin, ça, c'est pas mal. Ah, je me fais troll, les amis. Je me fais troll. Un truc de ouf. Oh. On continue. Oh, aïe. Non, parce que Eden, il vaut vraiment le coup. Mais je vous ai dit, hein, attention, hein, c'est une bannière super dangereuse. Vraiment. Vous pouvez claquer tous vos lapis dessus. C'est incroyable, hein. Allez, deux. Là, avec celui-là, je peux. Avec celui-là, je peux. Je peux. Putain, ça s'arrête pas de se transformer. Je peux. Lightning, putain. Oh là là. Et alors, c'est que des super personnages. Clairement, j'ai que vraiment des super personnages. Mais c'est pas ceux que je veux, quoi.
Wow, putain. Bon, eh ben, allez, c'est parti les amis. Allons-y, let's go. C'est parti les amis. Oui, encore deux. Non, là, il faut. Donne-moi. Ah, Docteur Aiden, oui. Oh, oui, mon ami. Oh, Docteur Aiden, putain, il est là. Oh, putain, Shadow Assassin, super. Oh, mon Dieu, que ça fait du bien, putain, oui. Ah, oh, je l'ai. Wouhou. Alors, la question maintenant, c'est pour 8, j'ai une unité, j'ai un des deux pour 8. Donc, est-ce que je claque 9000 lapis? Bon, allez, je claque 9000 lapis, comme ça j'aurai 8 tickets. Et oui. Et si j'ai un deuxième Docteur Aiden, on sera content. Mais bon, là, vous avez vu, c'est chaud quand même. Ouh, wow. Allez. Hop. Oh, ouais, ok. Bon, ok, d'accord. D'accord, allez, tac, c'est parti. Un deuxième Docteur Aiden, ça serait parfait. Ça m'éviterait d'aller chercher les 8 tickets UOC, mais j'irai pas plus loin. Parce que là, franchement, vous avez vu le nombre de lapis que j'ai claqué, les gens? Est-ce que vous avez vu un peu? Je vous dis, c'est une bannière dangereuse. Une bannière dangereuse. On va respecter cette bannière-là, de toute façon. Oh! Oh non! Ah! Oh, je m'en fous de toi! T'es moche! Ah, oh, putain! Oh la louve, putain! Oh là là, encore Mira. Bon, allez. On a des tickets. Oh, allez, une petite invoque là. On a 8. Il faut 16. Franchement, ils abusent. Ils abusent, mais tellement. Ils abusent, mais trop. Oh là là, les cons, quoi. Allez, c'est parti. Voilà. Ah, mais attends. Ah, ouais, c'est pas les mêmes en plus. Putain, les cons. 8. Une des deux. Ah putain, je peux avoir l'un des deux. Bon bah tant pis, hein. C'est pas grave. Si j'ai Docteur Aiden, je suis super content. Chez Zezirus, bah tant pis. Mais je sens la patate chaude. Je sais pas combien il y a d'arc-en-ciel dans cette vidéo, mais ça a été la pluie. Allez, côté gauche. Docteur, donne-moi Docteur. Ah. Putain. Ah, j'ai la douleur est en moi. C'est pas grave. On va aller claquer un UOC, puis c'est pas grave. Bon, allez, on s'en fout. De toute façon, je vais vous dire un truc. Hein. C'est que dans tous les cas, ce Docteur Aiden, il aura la... Voilà, il est là, voilà, ok. Et puis c'est bon. Et là, on va remplacer Machine par lui, voilà. Ce petit Docteur Aiden là, il va être top. On va faire une review dessus et ça va être la folie furieuse. Bref, les amis, allez, c'est pas très grave. Hein. Voilà, on se le montrera dans son coin. On était à 72 000 lapis, d'accord, 73, ouais, 72 000 à peu près. On a claqué donc quasiment 45K, plus tous les tickets. C'est énorme. Donc voilà. Il va falloir que je joue aussi en plus de ça. Bon, après, j'ai eu un Xon, pas mal de choses bien. Donc, on va pas se plaindre non plus. Il y a eu du très bon dans ce banque pool. Par contre, 45 000 lapis, c'est énorme. Je fais rarement des tickets, autant de lapis d'un coup. Là, le personnage est craqué. Mais bon, 27 000 lapis, ça me suffira pas forcément pour avoir, quoi que si, 25 000 pour avoir éventuellement une White Lily Dark machin. On verra. De toute façon, on verra ce que je fais parce que maintenant que j'ai un Cyrus, peut-être que c'est lui que... Peut-être. On verra. Bon, sur ce, les amis, merci d'avoir été de plus en plus nombreux. Tout ça. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir la chaîne, le pouce bleu, la cloche de notif, tout ça. Ça, c'est vraiment cool. Ça m'aide. C'est vraiment clair. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Allez, salut. Ciao. Le pouce bleu. Si tu souhaites soutenir la chaîne, tu peux le faire gratuitement sur le site utip.io/lordfab. Chaque jour, tu peux regarder de 1 à 3 publicités et à chaque fois que tu le fais, c'est 5 centimes gratuitement pour la chaîne. Merci énormément pour ton soutien.